Bonsoir. Je sais pas si c'est moi ou Voltaire qui disait... Je pense que dans un couple... C'est mon avis perso, vous en faites ce que vous voulez. Avant même de commencer, avant même, je vais calmer les choses. Je suis pour l'égalité homme-femme, ok? Comme tout le monde avant, je suis pour l'égalité homme-femme. Mais je trouve qu'on en est loin, pas vrai les filles? Oui! C'est vrai, je vais prendre l'exemple de Nabila. Cette femme est célèbre, elle a planté son mec, elle est allée en prison. Mais en France, juste après, on lui a donné une émission de télé, normal, où on filme ses vacances, la base, en Australie, avec le mec qu'elle a planté. Et ça, ça choque personne parce que c'est une femme, qu'on soit d'accord. Prends le truc en sens inverse. C'est l'histoire de Nabil qui a planté sa meuf. C'est sûr, tu verras jamais les vacances de Nabil à la télé, tu sais. Ou Nabil au parloir, épisode 3, ouais, c'est chaud. Nabil en prison en Suisse. 14 caméras, 8 gardiens, découvrez le quotidien de Nabil. Je ne vais jamais dans les douches. Si on reste dans le people, vous avez vu que Karine Le Marchand et Joe Estar, ils sont sortis ensemble. La femme de l'amour est dans le pré, 9-3, ils sont sortis ensemble. Et je validais ce couple. Parce que ça faisait un couple afro dans le showbiz français. Il n'y en a pas 10 000. Enfin, avant, il y en avait un. C'était Karine Le Marchand, encore. Qui sortait avec Lilian Thuram. Ils sont sortis ensemble pendant 6 ans. Et elle l'a largué en portant plainte pour violence conjugale. Et après, elle est sortie avec Joe Estar. Il y en a qui cherchent des coups. Le prochain, Bertrand Cantat, il comprend, lui. Il n'est pas comme les autres. Je rigole les filles, ok? C'est de l'humour. Je vois des regards genre « tuez-le !» C'est de l'humour. Pour moi, vous êtes le sexe fort de cette société, les filles, vraiment. Vous avez gagné la guerre des sexes parce que vous avez réussi à nous faire croire que le sexe, c'était comme une récompense. Et ça, c'est tout gagné, en vrai. Quand on dit quelque chose qui vous a plu, vous êtes là genre « non, tu mérites pas !» Et nous, on est là « bah oui, je mérite pas, c'est pas grave, tu me dis quand je mérite, c'est pas grave. Je vais jouer à FIFA, je vais jouer à FIFA !» Bolos. Quand on dit quelque chose qui vous a plu, vous êtes là « je crois qu'il y a quelqu'un qui a mérité un petit quelque chose !» Nous, comme des teubés, on est là genre « oui, c'est moi !» En caleçon avec les couilles qui sortent « mini !» C'est comme si vous étiez des dresseuses et nous, on était des phoques, tu vois. C'est pour qui ça? C'est pour qui? Bah, c'est pour moi, c'est la base, hein. On est faible. Moi, c'est mon avis perso. Après, vous en faites ce que vous voulez, ok? Mais je pense que dans un couple, il y a forcément un dominant et un dominé. Bonne soirée. Là, il y a forcément un dominant et un dominé. T'es d'accord avec moi, mec? Ouais, ouais, ouais. Mais elle est à côté de moi, là. J'ai posé la question, j'ai vu ta paire de couilles s'envoler en même temps. Allons à Couilland, le pays des couilles qui vivent sans âme. Il n'a plus besoin de nous. Adieu, mes couilles. On se reverra bientôt. Non, jamais. Chers couilles, les temps sont durs sans vous. Ça veut rien dire, je vous jure, ça veut rien dire. Des fois, il suffit d'une seule action pour que ça change. Que le dominant devienne le dominé, ça veut strict... C'est qu'une question d'ego. J'ai été en couple pendant 3 ans, et un jour, cette fille me dit « viens, on part en Bretagne. » Et comme on peut le voir, je respire la Bretagne, tu vois. Quand tu me vois, tu penses galette, tu penses cidre, tu penses dans la vallée. Oui, c'est lui. On arrive dans un petit village, on rencontre des anciens. Là, ils veulent nous faire goûter un cidre vieux de 150 ans. Le truc coule noir de la marmite. Il y a des vieilles pommes pourries qui flottent. Moi, je suis un mec casse-cou. Okay. Je bois un verre, je suis pas bien. Je bois 2 verres, c'est chaud. Je vais me coucher. Je m'endors, je suis dans le mal. Je me réveille. Et j'ai pissé au lit. Je sais qu'il y a des vieux qui me regardent genre « et alors ?» Et tu sais, j'ai pas pissé 3 petites gouttes qui vont sécher dans la nuit. Si tu bouges les draps, tu fais... Là, c'est la vraie carte de France. Du coup, je pousse ma copine vers le bord du lit, tu vois, pour pas qu'elle roule dans la pisse. Parce que je suis un gentleman. J'aurais pu lui pisser dessus. Elle se réveille, elle va aux toilettes. Je me dis, c'est maintenant ou jamais. J'aurais pas d'autre chance. Si je veux cacher le truc, c'est maintenant ou jamais. Je commence à retourner le matelas et ça a traversé le matelas, ça.
Là, je deviens très con. Je regarde autour de moi et je vois qu'il y a un fer à repasser. Je vous jure, ça va vite. On réfléchit plus comme un être humain normal à ce moment-là, je vous jure. Je commence à prendre le fer à repasser, à faire... Là, il y a une vapeur de pisse qui remonte. Elle rentre dans la chambre à ce moment-là. Moi, dans ma tête, je me dis... Je vais devoir la tuer. On est en Bretagne, personne ne verra rien, tu vois. Les gars, là, je rigole, je suis avec vous et tout. Vraiment, je rigole, mais... En vrai, ce qui est chaud, et je... c'est entre nous, ok? Ce qui est chaud, c'est qu'elle m'a crié dessus. Tu sais ce que c'est que d'être un adulte et te faire crier dessus par un autre adulte? Comment ta vie, elle change, tu sais? Elle t'a... Mais t'es un gamin, tu vas aux toilettes comme tout le monde! Tu sais, je me dis à quoi elle pense à ce moment-là. Elle croit que je me suis réveillé dans la nuit et que j'ai fait. Eh mais c'est parfait cet espace. C'est pas pisser tout ça, moi j'ai pissé, c'est sûr. Elle s'est dit, mon mec est assez con pour pisser dans son lit, se remettre dans sa pisse et faire... À demain. Là, on rigole, ok, on est entre nous, mais je vous dis la vérité, et c'est aux gars que je m'adresse, ok? Les gars, si un jour vous pissez au lit devant votre copine, après c'est foutu. Et tu deviens vite parano. Dès que tu la vois rigoler au loin avec ses copines, t'es là, oh la pute. Et tu peux plus lui mettre des coups de pression genre « Hey, si tu me casses les couilles, je vais te... Tu vas me pisser dessus ?» Merci beaucoup mon trust, c'était Lenny Bunga, je pense que c'est un moment avec vous.